Et on va tout de suite casser ce bloc Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Brioche et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale ou pas vraiment en fait parce qu'on se retrouve pour un épisode de Palladium Et là tout de suite c'est cadeau je vous laisse 5 secondes Voilà vite fait Pour essayer de trouver l'endroit où je suis Bon évidemment vous avez eu quelques petits euh, comment dire spoil on va dire. Donc bon si vous n'avez pas trouvé je suis euh, un spawner. Donc un petit spawner à zombie, mais bon, c'est pas n'importe quel endroit ici. Ça sera ma future base. Et pourquoi ça, en fait? parce que on m'a pas dit dans les commentaires qu'il me fallait que je me fasse une autre base full cramée pour faire base pour cent et faire croire aux gens qu'il y a une base du tout. Non, en vrai, c'est faux. Bon, personne me l'a dit. Mais j'ai juste envie de me faire une base avec très peu de stuff à l'intérieur et un spawner comme ça où on décore, en fait. On fait que de la full déco. On pourra y passer de temps en temps comme un petit projet sur Palladium. Mais bon, en attendant, j'ai commencé de à creuser l'endroit pour le spawner pour nous faire potentiellement un peu d'XP, et deuxième, pour nous, pour pouvoir faire de la chair, enfin, pas de la chair putrifiée, hein. Enfin, si, en quelque sorte, si. Mais c'est surtout pour faire des farmlands améliorés, là, qu'on avait vu dans l'un des derniers épisodes. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans l'épisode? Bah ben, écoute, enfin, hors épisode. Pas grand chose, j'étais plutôt AFK donc à part avoir gagné un peu de stuff et miné énormément, euh, j'ai pas fait grand chose. Faut savoir vite fait que jusqu'à lundi, donc euh, à l'heure où sort cette vidéo, si elle sort, parce que j'en suis pas sûr parce que je suis extrêmement en retard et à la bourre, euh, ça se termine lundi donc en gros il y a quoi Il y a les mobs XP x2. Il y a quoi d'autre bah, Il y a tout simplement le palladium x1,5 dans tous les mondes minage et oui, on a enfin récupéré notre monnaie, clairement. Alors là pour le coup c'est un vrai vrai truc on va dire je vais vous demander dans les commentaires à votre avis là tout de suite combien j'ai récupéré de monnaie. C'est bon vous avez mis votre commentaire Oui on peut dire que c'est plutôt pas dégueu. On a quand même 273 000 dollars. C'est vraiment pas mal, bah oui, donc c'est vraiment pas mal euh, par rapport à ce qu'on avait avant. C'est vrai que c'est une petite amélioration, ma foi fort sympathique, et cela nous rapproche de notre objectif de 1 million de dollars. Donc cet objectif qu'on va avancer un peu aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu des Lucky Blocks. On fait fini de, de blablater. On va tout de suite commencer à farmer un peu, un level, voilà. Non, en vrai, j'ai envie de farmer le level de Hunter, voilà, actuellement je suis Hunter... 2 bientôt 3 avec le double xp je pense qu'on arrivera à 3 assez facilement j'aimerais bien être level 5 alors pourquoi ça ici on est actuellement dans la ferme voilà qui n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois enfin si en fait elle a vraiment bougé quand on bon en vrai donc elle a effectivement vraiment bougé parce que un membre de la faction a euh, amélioré le, le petit truc à citrouille là et le truc à citrouille on va dire qu'au niveau 5 en hunter on va pouvoir casser les petites citrouilles pour avoir plus en métier de hunter et au passage il a un peu amélioré enfin quelqu'un un peu améliorer aussi les XP bush, c'est plutôt cool. Et donc, pour les résultats de mes minages, vite fait, voilà, dans mon Ender Chest, j'ai 7 blocs de palladium et un palladium, plus les deux qui sont là. Mais bon, j'en ai un peu utilisé notamment pour réparer mon armure voilà petit à petit mais j'ai eu un problème disons que j'ai un medium ring mais celui-ci enfin j'arrive plus à le remplir en fait, c'est ça le problème. J'arrive plus à le remplir donc je sais pas du tout pourquoi. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire de chat franchement parce que ça ça m'énerve un peu du coup, j'ai dû me recrafter un small ring juste pour pouvoir réparer mon armure et ça me ferait chier du coup de perdre ce big ring enfin ce medium ring par je sais pas quoi en fait. Et la dernière petite nouvelle, c'est la base claim qui a vraiment pas mal avancé depuis la dernière fois. Donc comme vous me voir, on est quasiment à 3 x 3 de chunk au niveau du creusement. Enfin, je crois que ça se dit pas trop le creusement, mais bon. Et j'ai commencé personnellement à creuser la bedrock avec euh, ce, ces jolis arbres-là qui permettent de faire un bug de la bedrock. Donc à chaque petite planchette comme ça, c'est le void, littéralement. Et du coup, en fin d'épisode, normalement, je devrais faire un test. Et en fin d'épisode, j'irai sauter dans le void, no stuff bien évidemment, voir si on retourne au spawn ou on décède dans le void quand, bah, quand en fait, on saute. Et on va tout de suite casser ce bloc, donc vers... Euh, 20... Je sais pas, mais bon, c'est un test que je ferai du coup en fin d'épisode. Donc n'hésitez pas à rester en fin d'épisode. Bon, on se retrouve dans des blocs. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais tant mieux. Ah, le nether a été. Bien désingué. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait dans le laser, tout simplement Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans le laser bah, simplement, on est venu récupérer du champignon, bien évidemment. Hein, je pense que vous en étiez sûr que je vais faire ça. Et quand on pète un champignon, en fait, on gagne 3 XP dans le métier de Hunter. Mais bon, en fait, avec le double XP, on en gagne 6. Mais bon, bien évidemment, c'est pas affiché. Donc, écoutez, je pense qu'on va faire une petite séance de tapage de, 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 de champignons. Et on se retrouve tout de suite. Enfin, voilà. Petite cinématique, peut-être un peu stylée, je sais pas. Eh, je viens de me rendre compte, mais en fait, on est très peu sur les minages, on est que 6. Bon, 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 j'ai passé en vrai 20 minutes en gros à farmer des champignons dans le Nether. Et on, et on se retrouve avec au total level 3,5. Donc on a quand même un peu augmenté le métier. Bon, je vous avouerai que j'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup de temps, donc je farmerai plus hors caméra pour éviter de prendre trop de temps sur l'épisode. Donc on peut quand même rester, faire un petit tour des levels, donc on est toujours level 4 euh, et un peu plus en alchimiste. Toujours level 7 en farmer, enfin toujours non parce que j'ai EP mon métier jusqu'au level 7. On est level 9,5 en mineur. Et level 5 et un peu plus en number Voilà pour ça. Et un truc intéressant, j'ai trouvé des euh, clipboards. Alors, euh, oui, bon actuellement, euh, voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Mais en vrai, je pense clairement que je vais les prendre. Et je vais tout effacé donc objectif là voilà donc on range des petits espaces donc notre objectif numéro 1 ça va être comme vous avez vu les 1 million de dollars en vrai je vais pas mal voilà 1 million de dollars et le deuxième ça sera de finir la base déco sachant qu'actuellement elle n'est pas finie du tout elle a même pas commencé en vrai ça c'est triste et du coup la troisième ça sera de ah mais bon, la troisième ce sera améliorer le spawner, donc n'hésitez pas à mettre vos suggestions, ça, ça, bref, vos suggestions d'objectifs de... dans les commentaires et je les mettrai sur le clipboard si je les trouve intéressantes. Mais évidemment, ne me demandez pas de farmer un million de lingots ou je ne sais pas quoi, comme d'autres personnes le font déjà actuellement. De une, j'en suis totalement pas capable, et de deux, je... je trouve jamais de pillage au passage. Je vais essayer de vous l'apprendre, mais pour ce pillage. Pour, ce, pour cet épisode toujours pas de pillage, c'est dur mais je sais pas, je sais vraiment je trouve aucun, aucun, aucun pillage donc bon, un jour on en aura un, un jour, passage voilà, un, un nouvel objectif, voilà, je pense que là niveau objectif on est pas mal, mais bon du coup on va tout de suite passer à la suite, allez suite, donc voilà on se retrouve dans la base qu'on connaît bien d'ailleurs on va pouvoir mettre ce petit clipboard juste ici et jeter tout le reste. Bon du coup les autres clipboards on s'en fout un peu. Et donc actuellement j'ai 2700... Actuellement j'ai 273 000 dollars. Et ma foi j'ai fort plein de minerais à vendre. Parce qu'en fait j'ai fait pas mal minage Donc euh, oui, on va dire on a pas mal de... de minerais. On va quand même laisser 10 blocs et tous les lingots qu'on a. Donc, on va prendre tout l'améthyste qu'on a. On laisse 10 blocs. Les L'émeraude, on va laisser ça. On va prendre, bien évidemment, le diamant. On, prend... on garde les 10 blocs et on se prend le reste. Bon, sinon, le reste, c'est du fer. Hein. Le fer, et bien évidemment, on ne vend pas. On garde pour la base claim. Et donc, on va pouvoir se décraft, bien évidemment, tout ça. Voilà, ça fait pas mal de stuff. Décraft encore ça. Donc, là, on a quoi On a 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc on a largement plus de 10 stacks. Donc, on va pouvoir vendre. Au market tout la métiste. Tac. Donc là, on est bien en item sale. Enfin, je sais pas trop. Ouais, selling. Donc c'est bon. On va vendre plus. On vend 9 stacks pour 14 000. Ça, c'est cool. On va pouvoir décraft le reste. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a encore 10 stacks à vendre. On va vendre plus. On va vendre sur 9. Tac. Voilà, 26. Ensuite, on va faire le diamant. Donc le diamant, voilà, on a 4, 5, 6, on a, on a pas mal de stacks aussi de diamants. On va tout de suite pouvoir les vendre. Bon, alors, 9 stacks de diamants, ça se vend que quand même que 11 000 dollars. Donc voilà, donc là, il nous reste encore pas mal de stacks de diamants. Je pense qu'on en a largement 5, voilà. Voilà, on a vendu tout notre diamant. Et là, on va se faire plaisir avec tout le titane. Alors là, là, ça va être le bonheur, les amis. On va pouvoir encore regarder, vendre plus... 8 stacks, on n'a pas 8 stacks, dommage. Voilà, on a vendu 7 stacks plus les 30, euh, oui, non, plus les 38 derniers lingots. Hop, hop, voilà. Et à votre avis, êtes-vous prêts Combien j'ai Ouh, du coup, on a gagné quasiment 100 000 dollars avec tout le minerai, c'est plutôt pas mal. Donc, on approche du million, ça c'est cool. Donc 360 000 dollars, c'est plutôt raisonnable. D'ailleurs, d'ailleurs, juste pour rigoler. D'ailleurs, juste pour rigoler, j'aimerais bien voir à quelle place on est dans le money top, Enfin, pas bah, top. Hein. Ah, donc on peut voir que les premiers, apparemment. Effectivement, on peut avoir que les premiers. Bon, alors pour être dans le top 5, il faut déjà arriver à 12 millions. C'est le genre de mecs qui sont plutôt chauds, vous voyez. On va déjà arriver à notre million et je pense qu'on sera content. Donc voilà, on retourne dans cet euh, joli endroit qui, est, qui sera la future base décorée. Donc c'est une base qui sera à la fois, fort décorée et je pense bien conti continuer. Commencer un peu, euh, pour la fin de cet épisode, commencer un peu la décoration d'ailleurs. Oh, bonjour monsieur zombie. Euh, il, va, il, va, il va falloir un peu barricader euh, ce côté-là, sinon ils vont pouvoir venir comme ils voudront. Ça c'est moyen quand même. Donc voilà, on va vite fait commencer. Donc comme vous avez vu dans la dernière saison, moi perso, j'adore les dark oak wood. C'est franchement quelque chose. C'est un bois franchement que je trouve vraiment sympathique à faire comme base en fait. Pas forcément dans toutes les constructions. Donc en vrai là, je pense peut-être partir sur un petit style comme ça, sympathique. Et ici, ça serait peut-être la salle du. Bah justement du spawner où on pourrait peut-être farm le spawner je sais pas je pense que ça peut être pas mal. alors par contre on va faire pour qu'il ne puisse pas monter ça c'est cool comme ça ouais c'est peut-être ça ouais ça sera peut-être en vrai l'endroit où on pourra farm le spawner donc bon comme vous vous en doutez dans cette base on ne va clairement pas euh, faire gaffe au pourcent ah, j'aimerais bien utiliser ces petits signes là que j'ai récupéré de, je ne sais où d'ailleurs. Je les ai vus, que ai, ils étaient dans mon coffre. Donc bon. Alors voilà, ok. Alors est-ce qu'on peut écrire dedans Ouais. Mais je suppose que ça rajoute 1%. Ouais. C'est pas ouf. En vrai, non. C'est pas ouf. Je pensais qu'on pouvait écrire dessus. Mais pas du tout. Donc euh, on va l'enlever finalement. Et donc pour revenir à, au pourcentage de la base, clairement, je ne, je ne donne pas cher de la vie de cette base. Mais bon, clairement, il n'y aura aucun stuff dedans. Ça sera juste une base pour le fun. Pour la déco après si les gens veulent piller quelque chose où il y a strictement rien dedans ils font comme ils veulent mais bon je trouve ça un peu stupide hein, mais bon surtout que je pense qu'il y aura des petits malins qui vont s'amuser à totalement détruire tout à la dynamite euh, sûrement enfin la dynamite c'est quand même euh, l'item préféré des euh, gens qui sont un peu euh, qui font chier on va dire hein, on va pas mâcher nos mots et donc euh, voilà donc, alors au niveau de la déco, je pense partir sur quelque chose comme ça. Donc, je ne garantis pas que cette déco reste jusqu'au bout. Hein. Mais c'est comment Pour l'instant, ouais, je pense d'ailleurs que je ferai de leur caméra pour la déco ou peut-être modifier les choses. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on va peut-être mettre des coffres -ce que vous... ou, de... ou des crates. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, bah malheureusement, j'ai pas trouvé euh, bah, de ce que je voulais, donc c'est-à-dire euh, des crates. Du coup, ça sera des coffres. Mais si je trouve des crates plus tard, je pense que je mettrai plus des crates. Oh, oups. Je mettrai plus des crates que des, des coffres parce que je sais aller... pas. Les crates rendront mieux, je pense, certainement. Alors, bon, après, peut-être que les coffres en vrai rendent pas mal aussi. Par contre, j'aimerais bien plutôt bien le mettre. Voilà. Ouais, en vrai, le coffre rajoute un peu de relief aussi, donc finalement, ça va. Tac. Et on met le coffre, voilà, justement. En, en vrai, le coffre n'est pas si vilain. Hein. Peut-être qu'aussi, on pourrait mettre ça comme ça. Ouais, en, non, en vrai, comme ça, c'est plutôt pas mal. Même si une crate au milieu pourrait rendre aussi vraiment pas mal. Par contre, on va enlever le vieux bloc derrière. Peut-être mettre un bloc de bois clair. Hum, ouais, moi, ça me va. Franchement, ouais, non, comme ça, ça va. C'est relativement cool. On va faire la même chose. Ouais, on, on va faire un plancher relativement sympathique aussi, je pense. En vrai. Si on part sur un petit côté comme ça et du bois comme ça, en vrai je trouve ça sympa quand même. Ça rajoute un peu de relief. Alors par contre pour le plafond, euh, peut-être partir sur euh, quelque chose d'un petit peu plus simple. En vrai, soit comme ça. Ouais non, comme ça aussi, en vrai c'est pas mal comme petite pièce. Au niveau euh, du spawner, alors on va pouvoir aussi peut-être upgrade un peu ce côté-là. Alors, par contre, il y a masse de zombies qui se sont secs. Je savais pas d'ailleurs que les zombies se stackaient. Oura. Hop, toi, voilà. Et en vrai, ça fait quand même pas mal d'XP. Du coup, ouais, les zombies se stackent. Alors, ça, je savais pas du tout. Enfin, jusqu'à maintenant. Donc, alors. Ouais, bon. Je pense peut-être. Ouais, on va faire un petit cadre comme ça. Voilà, juste. Euh c'est pour dire au moins qu'on a fait quelque chose du de ce côté-là pour pouvoir voir peut-être un peu mieux. Mais ça, je pense qu'on changera clairement. On va d'ailleurs laisser un peu tout le tout, tout un peu de truc ici, voilà, pour pouvoir refaire la déco de la base. Et d'ailleurs, ouais, je pense qu'on va transférer un peu aussi toute la merde qu'on a là. Par exemple, ça, genre un peu tout ce qui nous sert un peu à rien, mais des fois, quand même, ça peut un peu nous servir. Genre typiquement, voilà, ça. Alors ça, on regarde. Par contre, ça, ça. Oh pour l'info je l'ai acheté au market pour vraiment pas grand chose mais je pense que dans, cer dans un certain temps les victoires comme ça ça vaudra, ça vaudra plus cher parce que ça sera devenu rare et du coup je sais pas peut-être que ça vaudra très cher plus tard voilà bon du coup ça fait pas mal de rangement donc pour tout de suite mettre vraiment ce qui est intéressant parce que je vous rappelle qu'on a un petit test à faire donc on va même ranger l'armure hop juste ici on pose le reste juste là. Voilà, donc ça, c'est des choses un peu random qu'on peut poser sans, sans trop D'ailleurs, je pense qu'on va un peu torcher ici de ce côté pour avoir un peu de lumière vu que là, on n'a pas de. n'a pas vraiment de. Comment De lumière avec tout ça. D'ailleurs, on peut même illuminer le spawner pour éviter qu'il spawn des, des mobs quand on veut pas. On va, va ranger nos, nos, nos petites torches. On, on, a, on va quand même en garder une. Hop, vous allez voir pourquoi. Bon, par contre, rythme et 50. Mes... Par contre, rip mes 25 levels. Voilà pourquoi je vous disais qu'on aurait on garde une petite torche. Il fait ma foi très noir donc pour que vous voyez quelque chose, hein, hop. Voilà pourquoi je vous disais qu'on aurait on garde une petite torche. Il fait ma foi très noir, donc pour que vous voyez quelque chose, hein, hop. Et on va tout de suite casser ce bloc, donc euh, il rip25 levels, peut-être. Ah bah non, et voilà. Donc on retourne au spawn. Bah écoutez, je pensais d'ailleurs qu'on qu allait mourir, mais bon... On, on saura toujours plus de choses. Je ne pensais pas qu'ils avaient renouvelé le plugin parce que je sais qu'ils avaient fait ça pour la 1... Non, pour la V5. Et je sais pas qu'ils aient remis ça en V5.6 du coup maintenant. Mais bon, c'est toujours très très bon à savoir. Du coup, sur ce, c'était brioche cuit. A plus. Ok, moins 5 marchait pas. à plus et à la prochaine. Bye bye les amis.